Hello tout le monde, petite vidéo un petit peu spéciale sur le campus de la Salty Academy pour ceux qui ont suivi sur Twitch, puisque aujourd'hui, eh bien, les héros d'Oregon, on avait envie de les aider et j'ai prévu une petite surprise pour eux, à savoir le fait de les envoyer dans un environnement professionnel, celui de Omino, qui a été extrêmement sympathique et qui nous accueillera, eh bien, pendant les deux prochaines journées sur Paris, pour que les héros d'Oregon et les personnes qui les suivent, eh bien, puissent voir un petit peu ce que c'est de s'entraîner dans des conditions professionnelles. Je ne saurais remercier toutes les personnes qui nous aident au quotidien à faire en sorte qu'on essaye encore aujourd'hui de faire de belles choses sur la communauté Rainbow Six. Merci à vous, réellement. Comme je le dis dans mes lives, je ne suis qu'un outil. Je mets en place des donation goals, des sub goals, et je vois s'il y a des personnes qui ont du répondant et qui m'aident à atteindre ces sub goals. Ça a été le cas, en tout cas pour le fait d'envoyer les héros d'Oregon dans un centre professionnel. Donc merci à vous d'avoir fait ça, parce que sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Merci encore, vous êtes des monstres. Remember it. Bah, tout le monde est si naze, je suis en train de préparer mes affaires pour le bootcamp là. Presque prêt, bientôt on va partir à l'aéroport là. Let's go le bootcamp, j'ai hâte. On se retrouve à l'aéroport. Alors voilà, salut à tous, je pense que vous m'avez reconnu, c'est Nito. Voilà, actuellement 15h20, donc quelques heures avant le départ pour le bootcamp des héros sur Paris. Et voilà, on attend sagement le départ. On se rejoint d'ici quelques heures avec Red War à l'aéroport de Marignane à Marseille. A tout à l'heure. Décollage dans quelques minutes. Avec l'ami. On arrive dans pas longtemps. Aïe aïe aïe. Là, mais toutes les maisons, c'est un truc de moche. Il faut être en bas pour 10h. 1h? Eh ouais, il est déjà 9h45. C'est pas possible, ce 45, pour la veille, il aurait sonné. Personne n'est lavé. Personne n'est réveillé. Rejoins-moi. Regardez ça, Mobis. 9h45. Regardez Mobis. Oh, oh là là. Regardez Mobis. Regardez-le. Regardez Mobis. Regardez. Il n'est pas du matin. Il n'est pas du matin. Il nous l'a dit. Ah, Sinaz, c'est Montpellier. 8h30, je suis arrivé. Voilà. Yeah. Bon, bisous, pote. Un petit room tour. Un bon petit salon avec un billard, un excelsior. Ah non, on a un couloir. C'est bien chez nous là. Un lito. On fait un room tour. On fait un room tour. On fait un room tour. J'étais en train de faire pareil. Ah nickel. Alors on fait tous une vidéo en fait. Sinaz, Sinaz, ouais. L'un des meilleurs des héros, hein. On peut dire un des meilleurs des héros. On va aller voir le reste. Hop hop hop, la maison est immense. Excel, l'un des meilleurs aussi, l'un des meilleurs très bon. Le meilleur, on va se le dire. Et on va aller voir l'un des joueurs les plus gays des héros. Je sais. Voilà, Red War. Yo, ça va bien? Ouais, ça va. T'as dormi? Ouais. Un peu sommeil? Ça va. Et Mopiz, il est où? Je sais pas. Mopiz à la piscine. Ok, qui se commence à faire la pompe. Aujourd'hui, si ça fait de la merde, hein, si ça commence à rater ses clutches et à faire de la merde, voilà ce qu'il faut pas faire. Ça, c'est la pompe Mopiz, elle s'appelle. C'est la pompe comme ça, avec fastoche devant, ok? C'est la pompe, je baisse la tête. Voilà, c'est la pompe, je baisse la tête. Alors qu'une vraie pompe, une vraie pompe de bonhomme, tu vois. Là, c'est gainé, là, tu vois. Là, ça tient bien, là. Et là, on y va. Et là, bam, ça, c'est une bonne pompe, ça. Ça, c'est de la bonne pompe, là. Tac. Allez, attends, attends, tourne, mon pisse. La pompe en diamant, moi, je te fais des diamants. Oh, bah oui, fais des diamants, là. Oh, bah oui. Vas-y, fais-en 5. Comment ça, je fais juste pas. Descends, ah ouais, mon pise. Touche les pectoraux par terre. Voilà. Il lui reste les yeux. Hello
Hello tout le monde, c'est Redouard. Comment ça va les amis? Premier jour du bootcamp, on est samedi. On est rentré, on est arrivé hier soir assez tard à l'hébergement. Il y a eu des retards sur les avions, il y a eu des retards sur pas mal de choses. On est arrivé beaucoup plus tard que prévu. C'est pour ça qu'on n'a pas trop vlog hier. C'était compliqué, voilà, on voulait se poser aussi. On avait pas mal d'heures dans les pattes. Mais on est arrivé, on est bien, on est posé. La chambre est fantastique. Un petit peu sous le thème du western, là comme vous pouvez le voir, super bien. Dinguissime. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un petit café, etc. Et puis ensuite, on va aller directement dans les locaux Domino. Pour l'instant, bah, y a la Campus Cup, donc on va voir ce que ça va donner. Sinon, bah, écoutez, on se retrouve directement dans les locaux Domino. Voilà, les gars, on est arrivé à la Omino Gaming House. On est avec tout le monde, en train de configurer les PC. Opiz, hein? Dis bonjour au vlog. Au revoir. On a des PC de fou. C'est incroyable, on est en train de tout configurer. Incroyable. Y'a l'équipe. Alors, ça dit quoi? Ça va? Tout s'est installé? On est bon? Ouais. Ok, on installe tout. Ça va être chaud. Alors, on va commencer à tâter un peu R6. On se retrouve bientôt. Bon, voilà. Présentation rapide, en fait. C'est grand open space, un peu, hein. C'est très pro, c'est tout ça. Il y a Six là-bas. Il y a Mba. Voilà, on a Six qui est en train de se préparer lui tout seul. Et voilà, c'est la salle de. Hein, ça dit quoi, Six? Ouais, filmer que des trucs sexy en revanche. Bah voilà. Moi quoi. Voilà, voilà les gars, on a fini la Campus Cup. On a malheureusement perdu. On a. Bon, c'est vrai, il faut le dire, on a mal joué. Toi, ton ressenti de la Campus Cup? Dégoûté. Là, on va partir en ranked. L'objectif, c'est de passer Platine 2, je crois, pour pouvoir faire des maillots héros d'Oregon avec les pseudos derrière. Donc, ça va être incroyable. Bouge qu'on puisse rush le Platine 2 avant la fin du week-end. Allez, souhaitez-nous bonne chance. Très utile, on s'insère en tout cas dans le main de trucs. Et on va essayer en tout cas la joute, c'est cool de prendre Fédération Française le contrôle de l'ESCA et on va essayer petit à petit de s'insérer. Pour rappel, il reste une minute, ça va. Le logo XLR depuis là, mais normalement il doit y avoir le line. Ça va aller. Bon, on est parti sur une fin de soirée billard. On est à 6-4. Compte Nito. Revenu au point de départ. C'est parti. Les gars, c'est fini pour les héros. Je vais vous dire au revoir. Au revoir au vlog, tout ça. On a passé un week-end incroyable. C'est inoubliable. Je voulais surtout, avant tout, remercier 6-4, toute l'équipe d'Asalti Academy, la prod, la team Omino pour avoir prêté les locaux, les PC, tout ça, le logement. C'était incroyable. Grâce à vous, on a vécu une chose incroyable. Merci à toute la team héros d'Oregon. C'était super de tous se rencontrer pour de vrai. Et voilà, hein, j'espère que ça se reproduira. Ça tient qu'à vous, les viewers. Allez, ciao. Moi, je me taille. C'est naze. On voit 6-4 qui se reconvertit là, ça y est. Bon, on est sur le retour là de Paris. Bon, ça y est, c'est une fin de bootcamp. Des héros d'Oregon, c'est une fin de week-end, un début de semaine, une reprise compliquée je pense, avec tout ce qui s'est passé ce week-end. Franchement, c'est un super week-end. Ça y est, atterrissage, c'est lundi. On est arrivé les amis, il est là, il a passé un bon vol ou quoi? Ouais. Ouais, ouais, on a passé un bon vol, c'était très bien. Merci beaucoup les amis en tout cas pour tout, c'était dinguissime ce week-end, merci Omino de nous avoir accueillis, c'était dingue. C'était génial. On vous dit à très vite pour de nouvelles aventures, suivez bien.